avec un nouveau mystère cette fois. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Allez, debout! J'aimerais bien avoir accès à ce fichu théâtre. Alors, comment ça fonctionne? Seconde vue de Willow, c'est uniquement avec les bougies du coup. Ben là, on a tout vu, hein, de toute façon. Ouais. Ah, mais oui, mais en plus, c'était en plein milieu de la map. Comment j'ai pas tilté qu'il y avait un passage secret? Sérieusement. Ah là là. Ça c'est fait. Il y a le 2 de carreau qui se... Qu'est-ce qu'il fout là, le 2 de carreau? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je sais pas. Alors, au rez-de-chaussée. On est bon. Il faudrait peut-être faire un tour au truc à papillon. Histoire 2. Mais là, pour l'instant, il va falloir jouer avec les bougies. Ça nous aidera peut-être. Sachant que il y a un cadavre qu'on a déjà repéré à l'endroit des papillons. Que je pense avoir croisé en vie à un moment donné. Mais je n'en sais pas plus. Ça, c'était du poisson pêcheur, oui. Bon, je récupère l'amulette. J'aimerais allumer la bougie. Bah oui, mais j'ai... Comment j'interagis? Attendez, il va pas falloir que j'aille faire les trucs des poissons à chaque fois quand même. Là, ça y est pas. Ok. C'est glauque. C'est très glauque. Mais ça ne me dit pas comment interagir avec. Ça, c'est Louis. J'ai le temps, j'ai Louis, mais... Non, je vais pas recommencer la journée, non. Sérieusement, faut que je fasse ce truc et les poiscailles? Je crois que c'était là. Excusez-moi, je passe, je suis passé. Oh, sérieux, je suis obligé de la laisser passer en premier. Montrez-vous, Dormammu. Ok. Willow Blue, ainsi vous pouvez me voir. C'est vous qui avez appelé Tequila cette nuit? Je suis sûr des mots à l'oreille, ce n'est plus qu'une question de temps. Le sang des marées coule dans ses veines, je vais y mettre un terme. J'aurais dû ouais, m'en douter, vous êtes belle et bien puissante. Une goutte de sang vaudou contre les ténèbres de cet endroit. Les ténèbres, mais non, c'est vous êtes le poison que je bois. Vous n'allez rien faire du tout, vous n'avez même pas le don de vision. Sans ces bougies, vous ne pouvez espérer atteindre mon monde. Mais je les aime bien, ces bougies, je peux m'en servir. Ouais. Mais non, je peux. Excusez-moi, je passe.
Bonjour. Ça sert à rien. Eh bien, je remonte dans ce cas, tant pis. Ah, c'est dangereux ces endroits. Sur les larmes. Je suis larré au terme de la chute. Et quand je vous ramènerai à la maison, tout le monde attendra. C'est bon, je peux descendre? Allez. Des étagères. Un placard. Oui, mais en fait, je veux pas aller dans le placard. Les bougies reposent sur la table. Ça par exemple, l'œuf Kadioboon. J'ai quelque chose pour vous. Transmettez ceci à notre vieil ami. Nous ne sommes pas si différents, lui et moi, pas si différents que ça. Mais qui? Je vous attendrai, l'œuf Kadio. J'en ai fini avec vous pour le moment. Continuez. Ça m'aide pas vraiment en fait. Hein. Des bougies, cartes. Tac. Gauche et après couloir et salle du bas. Couloir, salle du bas. Couloir, salle du bas. Repas ça. Arrêtez avec ces bruits. Il me manque un item, je pense. Mais il y a le masque là, le truc, c'est qu'il y a le masque. Donc qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai jeté un œil aux salles à musique. Sans conviction. Déjà, je ne sais même pas qui se fait tuer pour le moment. Donc. Ah! Bonjour. Misère, pourquoi sa voix parfaite réduite au silence par ce monstre? Bonjour. Misère, c'est pourquoi patati patata, oh là là. Tequila Belle, la sirène du sud. Le théâtre, piano. Il va falloir sauver la chanteuse. Bon, déjà, au moins, on sait qu'il faut sauver. Alors, les plans de la carte, merci. Trois salles. Là, on va sur une vue extérieure, donc ça va être une petite salle. Je dirais que le théâtre est en face. Du coup, allons sur la gauche. Raté, c'était ici. Mince. Une atmosphère détendue. Une carte, je récupère. Entièrement équipé. Oh, sa punaise. Il va falloir que j'aille en bas chercher le CD, que j'aille le monter ici. J'ai le temps ou pas? Je sais pas. Il est un peu trop grand ce manoir. Hein.
Et voilà, une clé. Celle des musiques. Bella Canto. Faut que je trouve l'horloge. Ça m'arrangerait. Il y a un fantôme là. Il y a des fantômes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, il y a des fantômes et je peux rien faire avec eux. Il y a combien de scènes? Et où est l'horloge? Elle est là. Voilà, ça c'est fait. On va déjà arriver à la fin de la journée. Des instruments en marbre. Trompette. S'il y a un ordre de trucs des instruments. Le 7 de cœur. Il y a du sang partout. Hein. Une urne. Bon, ok, faut se balader dans les salles à musique. Du coup, l'amulette ne me sert pour le moment plus à rien. Il y a toujours l'histoire de la clé en bas. Il y a une porte là-haut. Et après, normalement, je reviens sur mes pas. D'accord. Deux portes en haut en fait. Bonjour. Et au revoir. Encore un gramophone? Il faut remettre les bonnes musiques au bon endroit. J'ai peut-être fait une bêtise là. Ça a l'air d'être la plus belle scène, je dirais que le théâtre c'est ça. Et là... Concentrez-vous sur la musique et non sur la chair. Huez si ça vous chante, moi je vais rehuquer la chanteuse, d'accord. Arrêtez avec ce bruit, bordel! Bien des fantômes là. J'ai pas compris comment utiliser les bougies. Bon, le théâtre c'est ici, c'est cette salle.
toujours une clé là-bas, je sais pas à quoi elle sert en bas. Il y a des fantômes, mais les fantômes, j'ai... Clé du placard de stockage. Placard de stockage ? Je sais pas si ça m'aidera. Bon, Sixpence, ça fait déjà fait. Préparons la scène. C'est beau, en effet. Et maintenant, Mademoiselle Tequila Belle. Qui êtes-vous? Où est Red? Monsieur Rockridge, je vous transmets ses excuses. Il ne pourra pas se joindre à nous. Je peux le remplacer aujourd'hui. Et je suis plutôt doué, je vous rassure. J'ai l'habitude de chanter avec mon... Ouais, bon, d'accord, ok. Ça m'aide pas plus hein, pour le moment. Une chanson privée. Oh. C'était donc ça qui pète. Normalement, il la balance en bas. Elle, je l'avais retrouvée en bas. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Ok. C'est super glauque. Mais du coup, à quoi ça sert que je ferme le truc là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi ça a pété?
La fresque est réduite en éclats. Qu'est-ce qui a fait péter la fresque? C'est ça qu'il faut que j'empêche. Mais comment? Et par quoi? J'ai eu une clé. Cette clé m'a servi à fermer ça. Je vais chercher le CD. Je mets le CD ici. Ça va faire chier tout le monde sur la scène. Oh bordel, j'ai compris. Arrêtez de me faire peur, bordel. Alors, au niveau timer. Faut que je descende. Je récupère ça au... Bon, le chargement, si tu veux. Je récupère cette clé. Je sais toujours pas à quoi elle sert. Mais bon, vaut mieux la récupérer au cas où. Il faut que j'aille au niveau du... bar. Je récupère le vinyle. Je remonte. Je vais dans le placard. Je mets le truc pour mettre le son à fond. Je ferme le placard. Je pense que c'est ça. Si le chargement accepte de me laisser jouer, ça c'est une autre affaire. Donc en gros, en termes de timer. Alors, je suis où? Ok. Ok. C'est là-haut. Voilà. Et après, il faudra que je remonte. Ok, je pense que c'est ça. Alors, première chose. Je récupère la clé. Peut-être pas. On va pas faire ça de suite. On va chercher le CD de suite. C'est de me faire flipper pour deux, là. Pourquoi je peux pas? Ok, obligé de leur parler, d'accord. Allez, vite, vite, vite. Oh, chargement. C'est bon?
Putain, je vais être obligé d'attendre que lui parte. Ça va prendre du temps. Le temps est tellement court au final. Hein. J'arrive à attraper la clé. Je comprends mieux la durée de vie du jeu si on prend en compte les temps de chargement. J'ai le temps. Non. Oh, j'ai une idée. C'est ça qu'il fallait faire. Mais non. Je vais pas réussir à la sauver, quoi. Je pensais vraiment que l'idée que j'avais était bonne. C'est pas le cas. Clé du placard. Punaise, c'était pas ça.
J'ai mis trop de temps. Je vais aller retourner au rez-de-chaussée, voir la pièce aux papillons et là où il y a l'araignée, mais... Je comprends pas comment résoudre le mystère là, j'étais sûr de moi. Je sais plus ce qu'il faut, je comprends pas du tout. Bon, le temps du chargement, hein, de toute façon, comme d'hab. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Là, je suis obligé d'attendre. Des palmiers, un chariot doré. Bon, ben, mademoiselle, désolé, hein. Une invitation. Wait. Une double invitation là. S'il faut que je retrouve les invitations de chaque convive, ça va être un peu compliqué. Pièce dérobée. C'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est le poisson diable. Trouver la carte requise. L'as de pique. La chapelle, il y a des chances d'y retourner du coup. Caméra, elle est au fond là, ça c'était pour tout à l'heure, j'en ai plus forcément besoin. Bon ben on recommence la journée. Hein. Je suis paumé. J'avais une super théorie, elle ne fonctionne pas ou alors j'ai raté quelque chose, je sais pas. Où j'ai pas fait les choses dans le bon ordre. Donc là, je vais aller chercher quoi en premier? La clé. Carte.
suis dessus, là, sur la carte. Mais ça me met encore les trucs de l'énigme d'avant, pas de l'actuel. Allez, attention aux oreilles. Et lui, il est déjà là. Il est déjà présent. Punaise. D'accord. Eh ouais, ouais, il est présent. Hein. En espérant que ce soit le bon CD. Je suis pas sûr. Hein. Quel moment il va s'en aller? Je cherche des indices. Piano. Ah! Et là, ça fonctionne. Ok. Allez, ça c'est fait. Donc c'était bien ça, mais c'était pas le bon CD. Donc j'avais raison. L'Afcadio, je ne vous attendais pas. Je dois m'entraîner pour le grand final, mais Red n'est pas là pour m'accompagner. Voulez-vous bien? Vous jouez si merveilleusement. T'es sûr de toi, madame? J'ai rêvé que j'avais écrit une chanson horrible. C'était un morceau mesquin et jaloux. Je ne le pensais pas. J'ai toujours aimé Lucas, mais je leur souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Petit piano. Oh, cette chanson, il m'a demandé de l'écrire pour elle il y a tellement longtemps. C'est parfait. Du début alors. C'était beau. C'était magnifique. Elle va adorer entendre ça. Pourquoi il se cache les mains, lui?
Elle a laissé son masque sur la scène. Hein. Prenez son masque, puis approchez-vous de la fenêtre. Voix vibrante. La chanteuse Tequila Belle possède l'une des plus belles et des plus puissantes voix qui soient. Le masque vous permet de briser le verre fragile avec sa voix. Ah bah tiens, brisez les vitraux en utilisant le pouvoir quand un message vous y invite. Cette fenêtre renferme un secret. La voix de Tequila, si on peut dire, résonne dans ce manoir. Utilisez le pouvoir qu'elle vous a donné. Cette pièce était la fosse de l'orchestre pour la pièce du dessous, le théâtre. Ah, le théâtre, c'était en dessous. Imaginez un peu comme cet endroit, comment était cet endroit dans sa période glorieuse. Les spectacles, la musique, la vie. Tequila adorait se tenir ici, en hauteur. Mais le marquis décida que c'était trop dangereux. Son plaisir personnel a été sacrifié pour son plus grand bien. Parfois, il faut blesser les gens pour les aider à avancer. Tout va s'éclaircir, je suis désolé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, 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 non!